puisque chacun des personnages a créé son histoire. Chacun des personnages a une enfance, une adolescence, un âge adulte, un caractère, une façon de se tenir, une façon de réagir face à ce qu'on lui demande. Et c'est ce qui fait aussi l'originalité de ces virées. Le contenu est présent, il est délivré au public, mais d'une façon impertinente. Ah oui, c'est vous qui êtes là pour la télé. Excusez-moi, mon petit nom c'est Étiennette. Bonjour, je suis Mademoiselle Gauthier, je suis votre institutrice un peu fofolle. Ah, moi je suis la Marissou de Pucherande. De Charère, exactement. Moi, je suis Monsieur Edmond, enchanté. Enchanté, oui. Comment allez-vous? C'est par là. Je sens. C'est par là. Vous êtes bien le seul à ne pas me connaître, mon ami. Joséphine de la Renardière. Bonjour. Je m'appelle Lou Passeur. Je suis un des personnages de la virée du Sancy. Comment? C'est quoi donc toutes ces boîtes, Monsieur Edmond? Je connais ça, pas bien, moi, oh, ça. Oh, bah, cherchez pas à comprendre, je comprends rien, moi non plus. Moi, c'est... N'étiez pas la bête là-haut, dites à la donc, moment. C'est joli. C'est doux comme les queues de mes lapins, dites donc. C'est de la peau de lapin. Bonne santé. Allez, les enfants, on y va. Madame Sand a du caractère, paraît-il. Ah oui, non, puis elle l'a pas dans les doigts de pierre. Il y a Madame Georges Sand qui était là l'autre jour. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est moi qui étais sa baigneuse ce jour-là. Il y est entré dans la salle de bain, elle était dans le bain, toute nue, qu'il y est entré, qu'il a dit comment ça va. Oh ben la Georges Sand, elle a pas aimé. Hein. Ils entrent la Carolingienne, on les voit encore, ils sont ici et ici. Et c'est la preuve que dès le 10e siècle, il y avait ici une zone de culte. Regardez bien les enfants, ils sont bien jolis. Oui, mais ils ont su pour le buffet à volonté, je crois. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est complètement sécurisé. Ils révisent tous les ans, hein. Et c'est fabuleux. Vous verrez la vue. Quand on dit ça, c'est que vous êtes pas bien. Mais non, vous pouvez me faire confiance. Bon voyage, les amis. Profitez bien. Plantes un petit peu curieuses et plantes carnivores, qu'on dit. Puis il y a beaucoup de la sphaigne aussi. Vous savez, la sphaigne, c'est ce qu'on met dans les serviettes pour l'hygiène des dames, hein. Faut pas mettre ça directement dans la culotte, hein, parce que ça craque, hein. Un jour, ben, bon Dieu, il était voir le diable, il lui a dit, dis donc, si tu continues à tout casser, moi je vais m'énerver, puis on va se battre. Il y a quelque chose, hein, pour bénir les tables et les bêtes et donner le sel, et je vous dis pas. Et puis après, on a donné le pain aux poules, puis on en a mis un peu de côté aussi pour la soupe de Noël, et oui. Il paraît même qu'en 1952, il s'est passé des choses bizarres ici. Regardez tout au fond, là-bas. Imaginez que vous voyez un petit point blanc là qui traverse, un petit point noir pardon, qui traverse le ciel. Il a pris des photos d'une soucoupe volante. Eh oui, en 1952, ça fait les gros titres de la montagne. Toutes les belles maisons, regardez bien un peu, hein. Toutes celles qui sont les volutes sur le côté, c'est les miennes. Alors vous dites, l'église neuve, le jour où je partirai et que je détruirai tout ce que j'ai construit, il restera bien que l'église, je vous le dis moi, hein. Eh oui, le sorciron, cet immense palace qui fut construit à la fin du 19e et qui a ouvert ses portes en 1909. Figurez-vous qu'il y avait 250 employés qui travaillaient ici. Alors bien sûr, évidemment, des cuisiniers et puis des tireurs de chaussures. Ou bien encore, eh bien des femmes de chambre, il y en avait 27, rien que ça. Et puis aussi raconter les sources, raconter les paysages, raconter les couleurs, les nuages d'été, les tourments d'hiver, et faire sentir un petit peu la beauté de ces choses. C'est du costaud, hein? Edmond, il est beau ce charabio. Il me plaît bien, moi. Ben oui, je me regardais. Yoli plaurera, yoli plaurera, yoli plaurera, ligis clon. Candero, gno. Candero, vio. Gel.